सर पे साया है। हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें। आसान नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, on a bien compris que Gayatri était amoureuse d'Arjun. Satya Narayan a retrouvé Brij, son ami d'enfance, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Il est très heureux d'apprendre que Brij est venu à Vrindavan pour marier sa fille aînée. Satya Narayan explique à Shub quelle personne bienveillante est son ami d'enfance. Voyons ce qui se passe ensuite. Est-ce que vous êtes tous prêts? Shub et son père ne devraient pas tarder. Et Arjun, où il est? Tati, il est en train de se préparer. Il arrive tout de suite. Dis-moi, je trouve que tu es vraiment jolie aujourd'hui. Ou c'est mes yeux qui me font défaut? Il te taquine sans arrêt, ce sale gosse. Tu ne devrais pas te laisser faire. Tu devrais le corriger. Tu es belle, ma chérie. Ça, ça va te porter bonheur. Regarde comme elle est jolie, Yashoda. Et plus de moqueries, jeune homme. Parce qu'elle est belle comme un cœur. Il faut vite aller te préparer. Non, Tati, je vais rester ici. Puisque de toute façon, ils vont venir. Je préfère vous attendre. Ah ! Ce serviteur sans traite avec tant d'égards de nos jours, personne ne me demande à moi si je veux venir. Quelle idée d'inviter ce professeur et sa famille ici. Ça va nous attirer des ennuis. Yashoda ? Oui ? Tu l'as déjà rencontré, ce monsieur Brijmoa? Non, je ne l'ai pas rencontré, je ne le connais pas, Manorama. Mais c'est un bon ami de mon mari, je suis tranquille. Yashoda, enfin, ce n'est pas prudent. Quel genre d'ami ne donne aucune nouvelle pendant des années? Et quelqu'un que tu n'as même jamais rencontré? Dont personne n'a jamais entendu parler? Pourquoi vous invitez cette famille ici, alors qu'ils peuvent très bien prendre une chambre d'hôtel en ville? Manorama a raison sur ce point. Cette famille peut très bien aller à l'hôtel. Pourquoi ces gens viendraient à la maison? Dites-moi. Mais après tout, bien sûr, la décision revient à Satya. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on devrait organiser le mariage de la fille de cet homme. Non, on est bien trop généreux. Imagine qu'il pourrait essayer de profiter de notre bonté. Tiens, écoute. Je le connais. Cet homme n'a pas de fortune. Il n'a pas les moyens. Par conséquent, il a besoin de notre aide pour marier sa fille, tu comprends? Sans nous, il ne peut pas organiser la cérémonie, c'est simple. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas l'aider un peu. Mais nous ne sommes tout de même pas obligés de s'occuper de tous les préparatifs. S'il n'a pas d'argent, désolé, on n'y est pour rien dans cette histoire-ci. Si on... Gendarme. Cher beau-frère, c'est ce qu'un homme a dans le cœur qui est important, pas son argent. Cet homme est enseignant. Ça ne lui viendrait même pas à l'idée de profiter de quelqu'un. Dans
L'enseignement est une des professions les plus respectables dans notre société. Tu devrais lui montrer un peu de considération. Il n'y a pas de mal à aider un ami. Bien au contraire, je considère que c'est le devoir de chacun. Tu comprends, Chalard? Est-ce que tout le monde est bien d'accord avec moi? Parce que je ne tolérerai pas que qui que ce soit dans cette maison manque de respect à mon ami. Ne sois pas en colère. Il n'a pas voulu te faire de peine. On devrait y aller, on va être en retard. Tu veux bien aller chercher Arjun, ma grande? Oui, Tati. Arjun? Ils t'attendent? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore prêt? C'est terrible. Je n'ai pas du tout envie d'y aller. Ben dis donc, Arjun. T'as l'air énervé. Mais pas du tout, non. Je suis juste à bout. Je voudrais mettre cette chemise, et comme par hasard, il manque un bouton. Mais ça, c'est pas dramatique. Je vais t'en recoudre un. Voilà. Merci, Gayatri. Tu résous toujours tous mes problèmes. Franchement, je ne sais pas comment je ferais si tu n'étais pas là. Alors, arrête de bouger comme ça. Oh, désolé. Arjun? En fait, elle recousait un bouton de ma chemise. Ils n'attendent plus que toi. Allez, descends. J'arrive tout de suite. Merci, Gayatri. Allez. Allez, je te suis. Je reviens. Oui. Bienvenue, mon ami. Je vous attendais. J'étais très impatient de vous voir. Et tu sais, je te prie de nous excuser d'arriver si tard. Bridge, je te présente ma femme Yashoda. Enchanté. Enchanté. Voilà, c'est lui, Bridge. Shub, que tu as rencontré tout à l'heure. Ravi. Moi aussi. Ici, c'est Arjun. Enchanté. Enchanté. Et notre petit dernier, c'est Anj. Enchanté. Enchanté. Dieu vous bénisse, tous les trois. Voilà, tu connais tout le monde. Tes filles, elles sont où? Ah ça, il va falloir entrer dans le temple pour les rencontrer, hein. Namo Devyai Mahadevyai.
À qui est cette voix de sirène? Tu n'as qu'à entrer, tu le sauras. Yashoda, par ici. Suivez-moi. C'est à nous. Je te remercie. Voici Suhani. Je te présente ton oncle Satyanarayan. Enchanté. Ravi de te rencontrer.
J'ai l'impression de vous connaître. Papa nous a beaucoup parlé de vous. Je te présente Yashoda, ta tante. Enchantée, Yashoda. Enchantée. Non, Shoani, je t'en prie. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant moi. Tu as une voix mélodieuse. En plus, tu es une jeune fille séduisante. Quand je t'ai entendu chanter, j'ai senti mon cœur chavirer d'émotion. Bridge, cet enfant est exceptionnel. Je sais, oui. Tel père, telle fille. Attends, je vais te présenter mes trois fils. Arjun, Shu et Anj. Salut. Enchanté. Ravi de te connaître. Hello. Elle est très mignonne. N'importe qui serait content d'avoir une belle fille comme elle. Tu sais, Bridge, sa belle famille va avoir beaucoup de chance de compter sur Ami parmi eux. Merci, mais ce n'est pas la bonne personne. Je marie l'autre. Celle qui se marie, c'est ma fille Ashta. La plus jeune des deux, c'est Suhani. Mais elles ont peu d'âge de différence. Approche, Ashta. J'arrive, papa. Viens. Oui, j'arrive, papa. Tiens, tu peux faire les services ? Voici Ashta, ma fille aînée. C'est elle qui doit se marier. Je te présente mon vieil ami, Satya. Oh oui, enchantée. Ravi de te rencontrer. Et félicitations. Je te présente Yashoda, ta tante. Enchantée. Ravi de te rencontrer. Ces jeunes garçons sont leurs trois fils. Arjun. Salut. Lui, c'est Shub. Et lui, enchantée. Anj. Je suis fier de ma fille. Elle est belle et complaisante. C'est elle qui s'occupait de nous, après le décès de sa mère, hein? Mais un jour, les oiseaux doivent quitter le nid. N'empêche que tu vas me manquer un peu. Et Suhani ne dirait pas le contraire. Arrête, papa. On a dit que personne ne pleurerait aujourd'hui. Je ne veux pas avoir une seule larme. Compris. Si je te vois encore pleurer, je ne me marie pas. Et j'arrêterai tout, papa. Ne dis pas ça. Ça ne sert à rien. Il est malheureux, ton père, parce qu'il t'a vu grandir durant toutes ces années. Alors, c'est naturel. Tu vas forcément lui manquer. Monsieur Shub, pardonnez-moi, mais le traiteur vient d'arriver. Papa, je reviens. Et moi, je viens t'aider. J'adorerais la voir comme belle fille. Je crois que c'est la jeune fille idéale pour Arjun. Mais je ne dois pas cueillir le fruit avant qu'il soit mûr. Je vais garder ça pour moi pour l'instant. Je préfère attendre de la connaître davantage. Oh Seigneur, je te suis reconnaissante. Thank you.
comme ça. Asta, viens avec moi. Oui? Viens, je t'en prie. Excusez-moi. Mais quoi? Asta, c'est Madukar. Regarde. Pour son propre compte. Le diamant prétend-il qu'il est le joyau le plus coûteux du monde ?